La plutée de Rommel, Plutus rommelii, un champignon printanier qui pousse dès le mois de mai sur des souches de bois ou des débris ligneux. Il est considéré comme non comestible. Donc il pousse sur débris de bois, des souches, mais des débris de bois parfois enfouis, ce qui fait qu'on ne le voit pas tout le temps. Le chapeau est marron clair, avec le centre plus foncé. Le pied est jaunâtre, ce qui permet de l'identifier très facilement, ce champignon, et aussi grâce à la saison à laquelle il pousse. Le pied est jaunâtre, caractéristique, il facilite l'identification. Les lames sont libres, elles ne sont pas adnées au pied. Elles sont reliées directement au chapeau, sous le chapeau. Elles sont blanchâtres puis rosées dans l'âge. Elles sont parfois dans le premier âge très jaunes. Donc il peut y avoir des variations. La chair est blanchâtre partout, sauf à la base du stipe où elle est jaunâtre. Voilà les amis pour cette vidéo sur un champignon printanier. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Ciao les amis.